Depuis des années, VRAC était la chaîne préférée des moins de 14 ans. Mais face à leur désamour pour la télévision, elle a décidé de se repositionner pour plaire aux 13 ans et plus. Afin d'augmenter la notoriété et l'audience de la nouvelle marque, il fallait persuader les millennials que VRAC avait grandi avec eux et n'était plus une chaîne pour enfants. Mais comment attirer l'attention de l'audience la plus imperméable à la publicité? Notre stratégie? S'intégrer dans leur environnement naturel avec des contenus réellement utiles et divertissants pour exprimer la nouvelle identité de VRAC. Il fallait, pour cela, les apprivoiser avec des formats qui ne ressemblent pas à de la publicité et s'intégrer à leur quotidien. Afin de réussir, notre message devait être propagé par les millennials eux-mêmes. Pour commencer, nous avons demandé à 5 des YouTubers les plus influents de réaliser des vidéos avec leurs vedettes VRAC préférées. Une fois publiées sur leur chaîne, ils les ont poussées organiquement avec des teasers sur Snapchat, Instagram et Facebook. Nous avons aussi commandité des articles sur les 7 sites les plus suivis par notre cible, eux aussi soutenus par des activations médias sociaux. Nous avons été jusqu'à intégrer leur plateforme de communication préférée, celle où la publicité est impossible, les messageries mobiles. Pour la première fois au Canada, des stickers qui s'intègrent directement dans les claviers des messageries iPhone et Android ont été développés à partir de segments vidéo cultes des émissions de VRAC. En première mondiale, ils ont été inclus nativement par Apple pour tous les utilisateurs d'iMessage sur iOS 10. Les différents contenus mettaient en vedette les animateurs de la nouvelle programmation de VRAC, tels que Vanessa Pilon ou Nicolas Ouellette. L'évolution de la personnalité a ainsi été transmise par ces jeunes artistes via des GIFs, des entrevues et des vidéos YouTube. Après seulement 2 semaines en ligne, la campagne a déjà dépassé toutes les attentes. Et par-dessus tout, l'engouement pour ces contenus est tel que la campagne a été largement relayée par la communauté.